commencement était la parole. Le verbe créatif de Dieu. Du haut des cieux, quand il veut, il déçoit et s'accomplit son vœu. Soit, et c'est ainsi que l'Afrique fut. La parole est une arme et une thérapie. Tantôt elle te saigne, tantôt elle te soigne. Entre le noir et le nègre, le premier est une couleur, mais le second est un mérite. Mais au regard de son histoire racontée, son passé compté de l'autre côté des contrées, la version qu'on nous a enfin rapportée n'est-elle pas contradictoire à celle comptée par le griot Conte? L'Afrique vous parle et elle me charge de vous transmettre ceci. Secrètement. C'est l'Égypte ancienne qui t'interpelle sur la théorie de la race aérienne. Pour boire à la source du savoir des Tombouctou, tous les Bantous, hommes et femmes venaient de partout. Es-tu d'accord avec moi pour dire que si l'homme est un être de raison par essence, et si l'Afrique est le berceau de l'homme selon la science, donc elle est aussi berceau de l'intelligence et des sciences. Alors, pourquoi quand de Batoro sonne son balafon, rien n'interpelle ton tréfon? Pour faire moderne, tu préfères le violon. Quand Djeliba paie sa cora, pour faire civiliser, tu préfères l'opéra. Quand Ibrahim Oleghem frappe son djembe, djembe, c'est pour te dire en bas de Maslamon. Sambé, sambé. Viens plutôt les écouter et tu sauras que l'Afrique était des terres, tes mères, tes filles, tes nourricières. Mais pourquoi donc se taire? Oui, la culture n'est rien d'autre que la relation de l'individu à son environnement. Si tu changes, il change. S'il change, tu changes. C'est pourquoi il est tout baboutier. J'accepte ta limonade, mais je n'oublie pas mon zonko. J'accepte ta pizza, mais je n'oublie pas mon benga. Si j'accepte ta bête, ta cravate, c'est parce que je sais que c'est mon coton, son béaba. Donnant, donnant, gagnant, gagnant. Donnant, donnant, gagnant, gagnant. Donnant, gagnant, gagnant, donnant. C'est ainsi que l'Afrique vous parle. Et elle me charge de vous transmettre ceci. La prochaine migration, c'est sûr, ça sera vers l'Afrique. J'en suis certain. Prochaine migration, c'est sûr, ça sera vers l'Afrique, j'en suis certain.